Thank you.
Marie de Médicis, qui rentre donc dans le royaume de danse. Bien sûr, c'était difficile de terminer toutes ces robes. On a travaillé un bon... Et avant que vous ne partiez, j'aimerais que vous nous présentiez un peu cette dernière création. Vous nous en parliez 2 minutes. Eh bien, je suis content. J'ai terminé un peu tous ces costumes grâce à ma femme qui était près de moi. Sinon, je ne serais pas là. Allez, on les applaudit quand même. On fait des belles robes, mais on reste toujours dans l'ombre. On ne parle pas. Qu'est-ce qu'on présente ? Ici, à l'hôtel de ville de Monsieur Michel Noir, je vais donc faire défiler ces charmantes demoiselles, maquillées par Béatrice. Elles sont là ? Je ne sais pas, pas la laver la dentelle. Non. Mais j'ai vu, il y a déjà quelques petites... Et oui, j'ai semblé, c'est l'autre jour comme l'attacher. Marie de Médicis,
écrasé par les bombes. Beaucoup de jeunes filles de l'école Cunon. Merci donc à la directrice de l'école Cunon. Merci à ces charmantes demoiselles qui sont venues bénévolement ici porter une robe. Il y en a qui sont venues et qui ont rapporté le premier prix costume historique à Paris. Personne en a fait cas. Christine de France. Enfin, on gagnera le paradis. Continuons à travailler. Et un jour, entre les royalistes du Dauphiné et du Vivarais, 5 ans d'escarmouches, 5 ans d'embuscades, 5 ans de mort, 5 ans d'espoir, 5 ans de désespoir. Et de fleurs de lys d'or.